Commence ce vlog avec un très joli taboulé aux crevettes maison. Merci, bon duel. Encore une fois, j'ai pas le temps, je suis en plein montage. Bah oui, hier on m'a pas vu beaucoup. J'ai l'impression que tu me délaisses, maman. Bon, je me dépêche parce qu'il est 13h15. Après, je file dans ma douche, faire mon shampoing. C'est ça qui est sur ma tartine, Madame Loïc. C'est très bon. Salut à tous. Alors, tout à l'heure, quand j'étais en train de manger, j'ai reçu un SMS de mon opérateur me disant que ma facture, donc téléphone, internet, deux portables, bref, était prête et je vois 200 euros. Je fais what? Donc, il a fallu que je règle ce problème, que j'appelle, que blabla, que truc. Enfin bon, ils m'ont facturé 2 mois. J'ai enchaîné, je me suis lavé les cheveux. Oh, ça fait du bien. J'ai fait le soin, ça prend du temps. J'ai sorti mon petit pull, un petit peu mon pull de Noël, mon pull d'hiver et j'ai un look. Je vous montre. Pas de doute, coco, t'as le look qui te colle à la peau. Alors, bon, je suis en pige, hein, tout simplement. C'est le seul bas que j'ai que je trouve tellement confort. Donc, bah voilà, je le mets. Hein. Et toi aussi, t'as le look, coco? Hein? Eh, mais tu es en forme, hein? Alors, le programme. On doit aller chercher un cadeau pour l'anniversaire du fils d'Eric, qui d'ailleurs arrive samedi. On va le chercher à l'aéroport. Et moi, je vais aller, enfin, avec Eric, à Intersport pour. Vous savez, j'ai 100 euros, mon avoir. Je vais pas me reprendre des baskets, je vais me prendre un truc qui va m'être utile. J'ai besoin d'un manteau, d'hiver. Donc, bon, j'espère que ce sera pas trop sportswear quand même, que je vais trouver des modèles qui font quand même assez féminin, assez joli. Voilà, donc on va voir ça et. C'est déjà bien. Par contre, je suis embêtée depuis ce matin. J'ai une tension dans l'œil qui saute. Bon, ça m'arrive assez souvent, mais ça fait comme une tension et tout. Alors, est-ce que c'est depuis hier que j'ai avec le make-up, les produits que j'ai mis dedans, ou est-ce que je suis encore en carence de magnésium? Donc, je suis en train de manger une banane. Je prends de l'eau de départ qui est bourrée de magnésium, vu que je peux pas prendre non plus le magnésium en B6. Je l'ai déjà fait, je fais des cures, je suis contente à chaque fois. Et au bout de 3 jours, bah, il faut que j'arrête parce que il y a des petits effets secondaires qui vont pas du tout. Après, bien évidemment, si vous avez d'autres astuces, mais je prends, mais vraiment. Donc pas les Mania B6, les gélules, les trucs comme ça, les spirulines, là, ça, je ne peux pas. Mais des choses qui sont naturelles, dites-moi. Ça ressemble à ça, ma petite eau. On en achète plein, plein, plein. Donc ça, c'est ma petite eau. Je me force à en prendre 3-4 bouteilles par jour. Et puis, bah, ma petite bananoune que je vais terminer. Moi, je vais y aller toute seule. Eric va me rejoindre. Bah oui, c'est les vacances, il relâche. Il n'est pas prêt. Il est quand même 3 heures. Mais j'ai trouvé ce qui me bousille les yeux. C'est une ombre à paupières avec des particules fines qui me tombent dans l'œil. Et je l'ai utilisée également hier. Et c'est ça. Donc, cette ombre à paupières, je l'ai mise de côté pour ne plus jamais la réutiliser. Je l'avais dans une box bio en plus. Ben voilà, bravo quoi, ça te fait des yeux de panda parce qu'en plus, d'aller dans ton œil et te l'abîmer, te l'irriter, les particules tombent. Donc, tu as l'impression d'avoir des yeux de panda, d'avoir des cernes, mais c'est juste le noir de l'ombre à paupières, c'est génial. Bon, allez, je file chez Intersport et chez Gémeaux aussi, j'ai besoin de m'acheter des culottes. Super. On a vraiment bien fait de venir là. Hein 15, 25% sur tout. Au final, avec mes 100 euros d'avoir, je vais vous montrer en rentrant. C'est nickel. Vous allez vous demander ce que je fais. On va déposer le vélo chez sa soeur et son frère pour pas que quand il rentre, il le voit. Et comme il pleut et que j'ai pas envie de mouiller mes cheveux, et ben j'ai mis un pauvre chapeau qui traînait dans la voiture. Il y a quelqu'un? Ouais. Ah bah super. Attends, hop. Comme il pleuvait, il nous a fait rentrer. Regardez qui j'ai retrouvé. Obi, qu'est-ce que. Oh, t'as grandi. C'est impressionnant. Eh, tu vas pas dehors par un temps pareil. Hein? Et non. Non, en fait. Ah oui, t'as pas changé le côté, je joue partout. J'ai pas résisté. C'est même pas de la faute d'Eric, c'est moi. J'ai pris un croissant aux amandes. Et moi. J'ai pris un petit gâteau, une tartelette, pomme framboise apparemment. Elle a l'air très bonne. Voilà, et je vous montre tout simplement parce que, alors, déjà dans un premier temps, on est allé chez Gémeaux. Ouais, on y était tous les deux. J'ai trouvé l'arbre de chambre. Il a un pyjama, je vais vous montrer. Et on a eu donc Intersport le vélo.
J'ai mon manteau, donc avec les 100 euros d'avoir, il y avait 25%. Et ils nous ont dit, mais heureusement que vous êtes venus aujourd'hui. Ça a valé vraiment, vraiment le coup. Et je me suis pris un autre haut, un peu sweet, vous allez voir. Je vais vous faire le mini haul. Alors, est-ce qu'on se pose? On se pose là pour le haul, c'est pas mal. J'ai l'impression, c'est pas hyper droit. Mais j'arrive pas à le mettre plus droit. Bon, je commence par... Gémeaux. C'est là où j'ai été par ma femme. C'était pas du tout prévu. J'ai pas envie de les mettre en chaussons. J'adore. Regardez. Elles sont super mignonnes, moumoutes. On a fait des promotions, autant chez Gémeaux que chez Intersport, de dingue. Alors, cette petite paire de boots toutes mignonnes, imitation Hug par le nœud. Elles sont quand même très jolies. Il y avait gris, il y avait noir. Et il y avait ce modèle hyper original. Léopard. 24,79€, je les ai eu à 14€. Ça vaut le coup. Pour Eric, un pyjama. Parce qu'il a un pyjama beaucoup, beaucoup trop, trop grand. Enfin, qui ne lui tient plus. Surtout à la taille. 19,99€. Avec, regardez, le bel ours blanc. La robe de chambre. Ça, c'était chez les enfants 16 ans. Mais bon, ça passe en 16 ans. Ça, c'est le dos. Qu'est-ce qui a marqué? On a été tellement vite. Ask my unicorn. Demande à ma licorne. Toute douce. Donc, elle est pêche, abricot, liseré blanc. Je ne me suis même pas vue. Je vous explique. Ah, si, elle a le prix. Ah, ben non. Si, 17,99€. Et... Oh, j'ai pas le ticket général. Bon. Et donc, je disais que je ne me suis même pas vue avec, parce qu'Eric, il était en mode « Vas-y, prends, ça te va, ça te va. » Mais des fois, je lui fais pas confiance, en fait. Il est capable de dire « ça te va » pour accélérer les choses. Alors, bien évidemment, pas avec ça. Donc, ce qui est important, c'est le confort, on est d'accord. On a même une petite capuche. Comme ceci. Voilà le dos. Je valide. Pas ma coiffure par contre, ça je valide pas. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Il faut te reprendre, Caro. Elle va plaire également à Jack qui va venir se blottir contre moi. Je passe à Intersport. J'ai eu 25% sachant que j'avais mon avoir de 99€. Ce manteau, c'est un manteau chaud. Déjà je voulais un manteau chaud. En plus c'est trop marrant parce que j'hésitais. Pareil, il y avait la couleur framboise, la vendeuse Eric me disait oui ça vous va bien. Et il y avait une dame juste à côté, très chic, elle me dit si je peux me permettre, j'adore. Je trouve que le manteau bleu marine vous va beaucoup mieux. Et moi aussi je trouvais. Donc j'ai écouté la dame et je me suis écoutée. Et j'ai pris celui-ci, c'est de la marque Only. Il coûte 100€, 99,99€ et j'ai eu 25%. C'est un modèle classique. Hein. Je suis très très bien dedans. On a la capuche, on ne voit plus. La capuche donc qui peut s'enlever au niveau de la moumoute. Et on va regarder de plus haut. Je vais monter ça. Je vais peut-être un peu baisser. Bonjour. Voilà, ça se passe comme ça. Tu te tiens bien. Ah, mais j'avais pas vu. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, tu peux l'ouvrir carrément. Là, on peut ouvrir. Nickel. Pour se sentir un petit peu plus à l'aise, sans doute. Il y a peut-être des options que j'ai pas encore vues. On peut cintrer. Ça, c'est cool. Voilà. Je crois que c'est une marque qui est correcte, hein, Only. Bon, ben voilà, manteau validé. On passe au clou du spectacle, qui n'était pas prévu, et on allait à la caisse, je fais « Wow !» Wow. Qui était lui aussi en promo. C'est un petit sweat. Alors celui-là, je ne me suis pas vue avec. Et bien évidemment, il faut l'imaginer avec autre chose que ce pull. Très très sympa. On a la petite capuche qui va bien. Et ça me fait un sweat en plus. Donc je vous ai dit 44€. Et je l'ai eu à 24€. J'ai bien envie de m'essayer les chaussures parce que pareil, enfin les petites boots, je ne les ai pas essayées. Ah non, on était pressés forcément. Ah, si je me mets comme ça, on me voit. Hop. Bon, cette robe de chambre, ça passe. Même si j'avais eu plus de temps, Eric, s'il ne m'avait pas pressé, c'est pas vers cette couleur que je me serais... Je me serais penchée. J'adore le dos. Le dos me plaît, ça, mais bon.
J'aurais été beaucoup plus dans des couleurs un peu plus sombres. Mais bon, ça passe. Et on a oublié les chaussons de papy. Non, mais regardez. Oh. En même temps, il faut des chaussons. Ah oui, remarque. Une semelle comme ça, parce que j'en ai marre le matin d'entendre clac, 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 clac. Et il est père, donc bah tant pis, il fallait des pantoufles de papy. Nous avons des pantoufles de papy. Oh, qu'est-ce que c'est moche. Et combien elles ont coûté? Il les donne, non? Ah non, 13 euros, 12,99. Montre-nous tes chaussons. Voilà, danse. Tu es bien dedans? Ça va, ça te fait pas mal aux pieds. C'est ridicule, arrête. Bon, sur cette fabuleuse danse d'Eric, je vais clôturer maintenant. Je pense que demain, j'espère, je vais recevoir au moins une des 4-5 décos. Et il faut aussi que je commence à planifier, savoir quand est-ce que je vais poser le papier peint. Bon, je pense que ça sera plutôt en semaine prochaine parce que samedi, donc il y a Oscar qui vient et tout. Mais il faut que je me penche sur le sujet. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, très certainement. Je vous embrasse. Salut.